Vous savez quoi les gars? Regardez, on va faire un truc. Je m'assois bien, je me rapproche. Ça sert à rien que j'ai pas ce niveau. Je vous montrerai après les trucs que j'ai pu arnaquer. Il y en avait un ou deux. Parce qu'il y en a qui avaient des doutes, si si on peut. Donc alors, on commence Tidal Wave. Première erreur. On commence en x4. Alors, je vais pas vous mentir que la musique... Vous voyez comment elle commence, regardez. Ok. Pourquoi on est en x4 là? Mec, pourquoi c'est en x4? Calme-toi. Deuxième chose que j'avais noté, c'est que cette orbe-là est plus écartée que ces deux orbes-là. C'est-à-dire qu'il y a trois orbes. Elles sont écartées uniformément, mais celle-là, il a dû la décaler un peu en arrière pour que ce soit plus dur. Alors non, t'as pas besoin de décaler une orbe pour que ce soit dur, d'accord? Faut juste mettre les pics au bon endroit. Donc là, c'est vraiment de la difficulté nulle parce que t'es obligé de light comme un enculé. C'est nul, voilà. C'est de la merde. En plus, c'est le premier clic de mort, là, ta mère. Là. Bon, puis la déco, on va pas me dire que ça c'est bien, c'est rien. Elle est pique. C'est pas le plus moche, hein, je suis d'accord. Par contre, ça c'est moche, là, l'espèce de rayon jaune, là, ça c'est moche. Oh putain, ça j'aime pas du tout. A noter que, vous voyez les pics en arrière-plan, là. Il les a utilisés partout dans son niveau. Copy-paste. Bref, après, il y a des couleurs différentes. Ouais. Bref, alors, il a juste utilisé les objets comme ça, vous voyez. Les objets que j'ai utilisés, là, il a juste mis ça comme ça. C'est moche. Il a juste utilisé les pics comme ça, là, enfin, les objets de pics, là. Ça, pareil, il a juste mis ça comme ça. On continue. Et du coup, le gameplay n'a aucun sens, évidemment. Pourquoi il y a une téléportation, là? Pourquoi ça va une tout ça? Enfin, bon. Le gameplay, il a été fait par ChatGPT, d'accord? Moi, de ce que je sais, c'est que ça a été l'une de ses premières créations, Tidal Wave, d'accord? C'est pour ça que c'est aussi bancal. Donc voilà, le gameplay random, évidemment, du coup. Comme tu disais, hein, voilà, il est random, ça passe en chip, ça passe en téléportation, on sait pas pourquoi. C'est ChatGPT qui a fait le gameplay, merci. Voilà. On est en x4 aussi, hein, toujours. Donc vous voyez, en fait, la décoration, c'est juste, je spam des objets, et voilà. Et je mets le blending aussi. Si tu mets le blending, et du coup, ça fait joli. Non. Voilà. Donc non, ça ne marche pas comme ça. L'idée d'avoir mis de l'eau, c'est bien. Mais je pense que là, c'est un peu trop brut, comme c'est. Genre, juste avoir mis les vagues comme ça, non. Ça, il aurait fallu mettre un peu plus de choses, tu vois, faut, un peu différemment. Alors, regarde, on voit le bleu. Oh, regardez, en bas de l'écran, on voit le block design, là, il dépasse, là. Genre, il y a un trou, là. En vrai, il n'y a que ça. Mais bon, c'est des choses à faire attention. C'est des trucs auxquels je fais attention, ça, par contre. Il a fait l'effort, par contre, de mettre des petits trucs dans le ground et tout, là. C'est pas mal, je suppose. Mais les grounds, vous voyez, c'est tous les mêmes. Hein. Donc, toujours copy-paste dans la déco. Regardez. Là, c'est même encore pire que ce que je pensais. Parce que, tu vois, je pensais qu'il avait mis des trucs comme ça. Il avait spammé des objets, mais en fait, non. Il a spammé des objets. Et il a spammé les groupes d'objets, vous voyez. Là, vraiment, il n'y a aucun effort, je suis désolé. Mais là, on me disait, oui, mais toi, t'es mal placé pour parler. Non, non. Donne-moi ça. Moi, je fais pas ça dans mes niveaux. Il a même pas fait l'effort de mixer des objets ensemble, il a juste spammé des groupes d'objets. Je suis désolé, mais là, je ne peux pas être indulgent avec ça, c'est pas possible. Faut pas laisser les choses brutes telles quelles. Faut quand même un minimum de travail dedans, regarde. Tu vois là, les petits points qu'il a mis là, il y en a un qui dépasse, quand même. Alors, ça paraît rien. Mais quand il voit, tu te rends compte que le gars, en fait, bah, il a été vite. C'est ça le problème. Là, on change, alors là. Ok, là, j'aime bien. Il y a du foreground, c'est bien. Alors là, c'est là qu'on voit tous les blocs design qui sont copy-paste, évidemment, ici. Bon. Alors, block design change. Alors, ce block design, je l'aime un peu mieux. J'aime un peu plus, parce qu'il y a des petites vagues comme ça. Il y a les petits anneaux. J'aime bien, en vrai, ça va. C'est un petit peu mieux. Même si c'est pas foufou, là, c'est mieux géré. D'accord? C'est mieux géré, là. Cette part est mieux que la précédente. D'accord? Et ouais, une fois de plus, hein, il spam les pics en fond. On sait pas pourquoi, mais moi, je trouve que ça rend pas si bien que ça. Il n'y a pas de background en plus. Il y a juste ça. Donc là, on est plus en x4. Bonne chose. Évidemment, après, il a quand même copié pas ses block design. Hein, rien. Voilà. Mais c'est quand même un peu mieux que le copy-paste d'avant. Les pics, en vrai, il aurait pu faire mieux. J'en ai pas parlé, mais parce qu'on est à quoi? On est à 17 secondes, on va retourner là. Les pics, il aurait pu faire mieux. Il a juste mis des pics comme ça, elles sont pas très belles. Hein. En plus, les couleurs, les pics là, elles sont même pas blending, celles-là. Là. Les pics, c'est vraiment un truc qu'il faut essayer de bien faire. Alors pourquoi faut essayer de bien faire? Parce que les pics, en fait, une fois que t'en as fait au moins 3, tu peux te permettre de les spammer partout. Donc autant les faire bien une fois, puis après, tu sais que t'as fait bien toutes les pics, quoi. Même des fois, je fais des variantes. Ça se voit qu'Epokora il gère pas tout à fait la glow correctement. Onilink, hein, évidemment. Quand je dis Epokora, c'est Onilink. Hein. Enfin, c'est un pseudo que je donne à tout le monde parce que je me souviens plus des pseudos de tout le monde. Hein. Voilà. Mais je préfère cette part, elle est un petit peu plus vibrante, elle est mieux. Les couleurs sont un peu mieux. C'est un peu plus clair. Donc là, par contre, du coup, apparemment c'est sync. Hein, du coup, comme je disais, c'est pas mal. Du coup, si c'est sync, c'est pas mal, mais ça ne rattrape pas tout. Donc là, je vois pas. Ok, là, pas mal la sync. C'est déjà ça. Retour en x4, pourquoi pas. On sait pas pourquoi, et hop, pour 4. Donc là, les pics, un petit peu mieux. Il a essayé avec du glow, c'est un peu mieux. En fait, c'est la version un peu évoluée des toutes premières pics, d'accord? C'est pas mal. Ici, j'aime bien le motif un peu écaille. Bon, même s'il est pas tout à fait bien fini. Mais il y a un peu d'idée, c'est pas mal, j'aime bien. On reste un peu dans le thème aquatique, c'est pas mal, c'est pas mal. Cette vidéo-là que je fais là, je veux vraiment la faire mieux. Pour que les gens comprennent.
Et aussi, il faut écouter, hein, aussi, hein, faut regarder la vidéo entière, parce que sinon ça va pas. Hein. Si vous faut regarder la moitié de la vidéo, ça va pas le faire aussi. Donc voilà, après il a spammé des trucs là, je sais pas pourquoi. Ça fait pas très beau en vrai. Il aurait fallu mettre plus d'opacité, un peu plus faible. Les orbes là, il n'y a pas trop de custom orbes, hein, évidemment. Voilà, parce que moi on fait des remarques comme ça, donc moi j'en fais. Ok, oui. Ok, là je vois la sync un peu. Alors ici, c'est de la merde. Pourquoi? Parce que là, t'as plus de déco. T'as plus de déco là pendant ce moment-là. Et tu peux buffer les orbes. C'est un top 1. Hein. C'est un top 1, tu peux buffer les orbes. Tu peux buffer des orbes, tu vois, mais genre tu mets des trucs dans les orbes, tu vois, tu mets des pics, des signes, des trucs comme ça, tu sais, pour t'obliger à buffer. Là non, tu fais comme tu veux, c'est les orbes, elles sont free, elles sont gratuites, c'est McDonald's, venez comme vous êtes. Bon, tiens, moi je vais venir buffer, ah bah non, moi je vais late. Bref. La transition. L'idée est bien. Mais c'est moche. C'est pas très beau, les nuages là. Genre du jaune sur du bleu comme là, ça me fait vraiment penser à du Resident Evil avec des nuages blending par-dessus là. Ça me fait trop penser à du Resident Evil, je suis désolé. C'est vraiment mal exécuté. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai peut-être l'air méchant dans Link. Moi, ce que je reproche, c'est qu'il n'y a aucun effort dans le niveau, en fait. Genre, à quel moment tu fais un vrai niveau? Alors, peut-être que vu que c'est sa première décoration, peut-être que lui, ça lui paraissait bien en première décoration. En première décoration. Ok, je suis d'accord. Mais du coup, tu sors pas un niveau si c'est ta première décoration. Enfin, sauf si c'est vraiment exceptionnel. Mais genre, en première décoration, tu ne fais pas un vrai niveau. C'est ça que je veux dire. Donc là, le drop, retour des pics, hein, comme ça, là. Vous voyez, en arrière-plan. Donc là, le block design. Alors, on en parle. On en parle. On en parle. Alors, je vais mieux me faire comprendre cette fois-ci. C'est pas si moche que ça. C'est pas si moche que ça. Ça là, les blocs design, ils sont pas si moches que ça. C'est juste full copy paste. C'est à peu près les seules structures que tu vas rencontrer dans cette partie du drop. Il n'y a pas de background aussi. Ça c'est un petit peu. Évidemment, les pics dans la wave, hein, c'est bien d'éviter. Alors évidemment, je tiens à apporter une nuance là. C'est bien d'éviter de mettre des pics sur des pentes. Parce que si c'est juste des pics qui sont droites, c'est pas grave. Mais si c'est des pics sur des pentes comme ça, en x4, là ça devient compliqué. Et ça devient nul aussi. Tu peux mettre autre chose que des pics dans la wave, genre pour approcher les structures, pour faire des trucs un peu plus intéressants. Par contre, ce bug design là, bon, non, par contre, non, celui-là, non. L'eau là, en background, enfin en foreground et en background là, non, c'est pas très beau. Ça fait, c'est trop brillant, c'est trop saturé, non, c'est pas bien ça. Les mêmes flèches qu'au début, par contre, je viens de remarquer, les mêmes flèches qu'au début. Je vous montrerai les skips en jeu, par contre. Un peu de check, pas mal. Là, ça change, j'ai un peu de glow. À moins qu'il y en avait déjà avant, je ne sais pas, j'ai. Ouais, si. Enfin, ça rend un petit peu différent, mais c'est pas mal aussi. Par contre, il s'est pas fait chier, genre il n'y a aucune transition entre le vide là et l'intérieur. Du coup, on voit que ça s'arrête net, le cercle. Il aurait pu mieux gérer son truc. Hein. Les points, pareil, ils sont placés au pif comme ça. Et puis c'est tout. Pas de. Ça se voit que c'était fait un peu vite. Hein. Le glow, ça se voit qu'il a été placé random. Enfin, random. À la main. Ça n'a pas été peaufiné. En première déco, ça va. Retour des lasers moches. Ils sont moches par contre. Hein. Je suis désolé, c'est moche. Je suis désolé, c'est très très moche. Les lasers là, ça c'est pas beau du tout. Mais en première décoration ça va tu vois. Mais une première décoration right en top 1, je suis pas sûr. Pas d'avoir pour projet. Alors ces pics là, les box, ça sont atroces. Mais ça, il n'y a aucune excuse, hein, c'est juste atroce. Donc qu'est-ce que vous voulez juste des petits effets par-dessus, voilà. Pourquoi il y a un pendu au noir. Ici ça change, c'est sombre. Je pense que ça dessert un peu le block design. Alors le block design qui est assez vibrant normalement, bien bleu. Ça le dessert. C'est-à-dire que ça ne va pas avec. Le fait que ça soit sombre, ça va pas avec le fait que le block design soit clair comme ça. Évidemment, il y a des fixed box, on les voit pas, mais il y a des petites pics là sur les coins. Là. Il y en a de temps en temps comme ça. Merci Zoink, hein, évidemment. Ratio Zoink aussi. Ça, c'est de la merde par contre. Cette web, on ne fait pas ça. La transition est nulle là. C'est ça s'assombrit. Enfin, c'est bien sombre. On va peut-être taper l'entrée et tout. Non, il faut pas faire ça. Voilà. Donc, cette transition, elle est moche. Pourquoi? Symbole Wi-Fi des années 2010. Soleil moche, gros rond en fait. Juste un gros rond. Il n'y a même pas de glow. C'est juste une glow jaune et il n'y a pas de vraie brillance en fait. C'est juste un soleil jaune. Le soleil n'est pas jaune, il est blanc. D'accord, que ce soit bien, voilà, enfin il est blanc. Après oui, c'est une naine jaune, oui c'est bien. Les nuages, un petit peu d'effort. Il a fait un petit effort, il a mis du glow pour cacher un petit peu la transition. Mais c'est pas tout à fait ça, hein. Les nuages c'est pas aussi brillant que ça, enfin c'est pas comme ça. Par contre le truc que je reproche, c'est toujours hein, ce truc moche, là, le sable avec l'eau comme ça, là c'est pas beau avec les petites gouttes là pour faire les vagues. Non, faut changer ça. Voilà, le mariage des couleurs il est atroce ici. Pourquoi? Bleu, jaune, blanc, c'est moche. Celui-là il est moche. Comme ça, là où c'est du jaune en fond, c'est très moche. Ça ne va pas du tout ensemble. Et avec le blanc, je trouve que ça fait trop. Gameplay, bon. Ici, ça c'est de la merde. Ça, non, faut pas faire ça dans une dashboard, c'est atroce. T'as plein d'autres façons de le faire, ne fais pas ça. Toujours les pics, hein, regardez. Ici, là, les pics jaunes, là. Vous voyez, là. Les pics. Toujours. Elles sont toujours là, elles nous suivent. Hein. Je suis désolé, mais c'est la stricte. Vous ne pouvez pas contester ça. Il a juste copy-paste, là. Faut faire un minimum d'effort. Quand tu fais un bloc, tu t'essayes de faire un truc différent et pas copy-paste, quand même. Donc évidemment x4, cette duel c'est de la merde. Quand je l'ai joué ce niveau par contre c'était de la merde. Ça tu pouvais buffer plein de trucs dedans.
Et en plus, t'as des orbes, t'as... je sais pas, tu peux pas être consistant là-dessus, c'est pas possible. Elle est trop bizarre cette duel. J'arrête de citer, hein, voilà. Voilà, Griff Return, ici, voilà. Ici, alors ça par contre, j'ai jamais compris. Alors pourquoi il y a ça là ? Mec, ça. Ça. Je le dis beaucoup de fois, c'est moche. C'est vrai. Mais en même temps, c'est vraiment moche. Je suis désolé, mais pourquoi t'as ça ? On dirait. Limite, ils font ça dans le salon de Club Sep, ça passe, tu vois. Un truc comme ça, avec des anneaux qui tournent comme ça là. Et ça, cette partie de wave, je la comprends pas. Changement de part, voilà, c'est mieux, voilà. Jaune sur bleu, comme ça, c'est un peu mieux, voilà, c'est... Le jaune, il est un petit peu plus discret. C'est pas mal. Toujours les pics en arrière-plan, ici, hein. C'est toujours là, nous suivant. Évidemment, je parle pas de chaque détail, parce que sinon, on en a jusqu'à la fin des temps, mais bon, voilà. Donc là, il a fait un truc différent, un petit peu, là, je change les couleurs, quoi. Ah, non, c'est... Non, en vrai, le black design est différent. Bon, ça va, ça va. Toujours les pics en arrière-plan, hein. Toujours là, hein. Oh, putain, là. Non, mais ça va être un meme, ça. Je vais faire un meme avec ces pics, là. Ça va être fou. C'est toujours pas magnifique, hein. C'est pas atroce, mais c'est pas beau. Donc là, c'est toujours la même chose. Bon, par contre, les trucs en bas, par contre, les trucs qui tournent, là, non, ça, c'est pas... Non. Ça aurait été mieux, justement, de laisser ça un peu plus sombre pour faire contraste avec le centre. Donc cette partie-là, je la préfère. C'est juste en fait, c'est juste un changement de couleur, hein, d'accord. J'aime bien le contraste du orange avec le noir, comme ça, les nuages noirs. Bon, même si le background est toujours aussi un peu moche. Les couleurs rattrapent le truc, mais c'est toujours un peu moche, hein, parce que toujours les reflets, l'océan et tout, bon voilà. Mais par contre, les couleurs sont mieux, là, un peu jaune et bleu, comme ça, enfin orange et bleu, pardon. C'est bien, c'est pas... le glow est un peu mieux géré ici. Cette partie-là est bien mieux, c'est la meilleure part du niveau, d'après moi, celle-là. Ici, le gameplay, c'est pas le pire, mais voilà. Je peux prendre ça, là, mais what the fuck. Et ça se finit random, comme ça. Lol. Hop, t'as bon, t'as fini, voilà. Landscreen, bon, c'est toujours le même background encore, bon. Siwin 2.2, ouais, bah j'espère que tu vas t'améliorer, mon gars. T'es en train de t'améliorer de ce que je vois d'ailleurs. C'est bien. C'est bien. Tu t'améliores. J'ai vu, je me rappelle les niveaux récents qu'il a fait Mpokora. T'améliores un peu. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, on va regarder les hitbox. Quels sont les hitbox qui m'ont marqué? Tout simplement. Dans la wave, les hitbox, ça c'est de la merde. Vous ne pouvez pas contester. Ça c'est de la merde. C'est de la merde. Ça dépasse. Non, c'est pas bien. Numéro 2, il a mis des pics dans la wave. Mais bon, ça j'ai déjà dit. Ensuite, là, regardez. On vient ici. Ça, qu'est-ce que c'est ça? C'est de la merde. En fait, tu vois, quand tu fais un truc dur. Ne mets pas de fixed box sur les blocs comme ça, là c'est pas bien. Ah, première orbe qu'on peut skip, l'orbe bleue, vous voyez là? On n'a pas besoin. Voilà. Ici, tu peux tout buffer. Allez, là je vais partout. Et ici, si tu fais ça, regarde. Hop, j'ai esquivé la dernière orbe. Voilà. Donc évidemment, les pics dans la wave, c'est pas le meilleur truc. Hein. Alors voilà. Du coup, prochain skip. Le prochain skip, il est ici, regardez. Vous voyez, il y a le portail jaune, là. On n'a pas besoin, regardez. Tu passes là. C'est quand même un peu dur. Tu passes là, c'est quand même un peu dur aussi. Ah, le retour de Zoink. Regardez, il est de buff sur le côté, là. Zoink, faut que tu arrêtes de buff des niveaux. Hein. Faut vraiment que Zoink, il arrête de vérifier des niveaux, parce qu'il rajoute des pics, là, c'est aberrant. Faut pas faire ça, c'est pas bien. Zoink, s'il te plaît, tu es peut-être fort au jeu, mais c'est pas la peine de faire des trucs nuls. Vous voyez, ici, ils ont rajouté une petite pique là sur le côté pour fixer le boss pour empêcher de rebondir. Ça, c'est Zoink qui a dû rajouter ça, vous voyez. POV, ça ne fonctionne pas. Ils ont quand même fail. Regardez. Regardez bien, j'arrive comme ça. Oh. Je suis nul au jeu, hein, normalement. Bon, moi, j'ai fini Night Rider, les gars. J'arrive à skip assez consistant. Alors, les gars. Non, mais j'aimerais bien voir les joueurs qu'on peut skip. Eh ben, tiens, un truc anti-skip qu'on skip. Mais c'est fou, ça. Voilà, les gars. Regardez, vous voyez. Vous voyez ce que vous me faites faire? Par contre, ça déco, je suis pas sûr de cerner là. Ah oui, il a juste fermé les triangles comme ça et puis. Ah oui, d'accord. Ah, j'avais pas fait gaffe ça. Ah, il a juste fermé des triangles comme ça et. Ah oui, aucun effort. Ah, c'est juste des triangles noirs comme ça. Ah oui, d'accord. Ah oui, aucun effort dans la déco par contre là. Ah oui, d'accord. On est comme ça. Ah, c'est comme ça. Attends, t'es en train de me dire qu'on peut skip la dash orb là? Attends, quoi? J'ai même pas fait exprès. Ah ouais. Ah, attaque comme ça là. Hop là. En gros, ce que je retiens du niveau, c'est qu'il y a très peu d'efforts mis dans le niveau. Voilà, comme je le disais avant, les grandes sont copy-paste, hein, évidemment. Même s'il y a des bonnes idées. Hein. Alors, le thème du niveau est très bien. Plage, c'est très bien, mais ça aurait pu être mieux fait, vraiment. Le gameplay, on va pas en parler non plus. Même si cette partie-là, dans la partie dorée, elle est pas mal, le gameplay. Le gameplay, ça va, il y a pire. Mais bon, voilà. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que ce niveau est nul. Dans sa généralité, pour un top 1, vous regardez dans les top levels, vous avez plein de niveaux qui sont magnifiques.
Et après, vous avez ça qui est beaucoup moins beau. Oh, mais regarde, il y a Silent Club Step. Alors, déjà, Silent Club Step, ça date d'il y a très vieux. Voilà. Tidal Wave, non. Vous avez Acheron. Oui, mais Acheron, c'est un style de déco différent. Hop, c'est stylé, Acheron, d'ailleurs. Après, vous avez. Après, je sais plus ce qu'il y a aussi. Hein, mais voilà, vous avez des trucs comme Cosmos et tout. Chuki, c'est très beau. Puis après, vous avez ça. C'est récent, mais c'est moins beau. Et en plus. Alors, en soi, que ce soit moins beau, c'est pas si grave. Enfin, ça dépend à quel point. En fait, si c'est juste vraiment atroce, genre mettre des couleurs dégueulasses, genre comme ça, là je suis pas d'accord. Mais si c'est juste pas très beau dans le sens de ça, bon, en soi c'est pas bien grave. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts dans le niveau. C'est ça que je reproche en fait. C'est pas vraiment foulé. Il a juste réutilisé, copy-paste, réutilisé, voilà. C'est ça le problème que j'ai en fait. Et le gameplay aussi, pareil, Zoink, il a pas vraiment aidé. Voilà, il a pas aidé. Le gameplay était pas super de base, hein, donc, du coup il y a des skips, hein, voilà. Voilà, hein. Ratio, ceux qui me disaient que hein, j'aimerais bien les voir, hein, en gros, s'il n'y en a pas. Il y en a, voilà, vous les avez vus. Si je massacre votre niveau chéri, bah, tant pis pour vous. Moi c'est pas mon problème, c'est pas mon niveau chéri. Moi je dis ce que je vois, là, ce que j'ai vu, je l'ai dit. Voilà, alors certes j'ai dit beaucoup de fois c'était nul. En même temps je le dis à raison. Alors certes, Oni Link, je suis d'accord. Sa première décoration, et dans ces cas-là, hein, comme je l'ai dit avant plusieurs fois, tu t'entraînes avant. Voilà, avant de faire un vrai niveau, tu t'entraînes. Pour l'un des premiers niveaux, en tout cas, c'est bien. Mais maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est du coup s'en servir pour apprendre. Moi, j'ai fait 5 solos. 5 solos, j'ai essayé de faire des trucs bien tout seul. Regardez, Kuki, c'est un solo. Et écoutez, que ça vous en déplaise ou non, j'en ai rien à foutre. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez dans un espace commentaire correct. Évidemment, donc les fermes ta gueule, l'arrêt YouTube, c'est drôle, hein, mais c'est mieux d'éviter. Non mais là, je pense que l'heure est grave. Non mais là, il est important de nous faire une lecture. Les commentaires, c'est bien. C'est très bien, les commentaires. Alors attends, on va lire le commentaire de M. Pokora. Alors, on lit. Pavé, c'est un dictionnaire de faute. C'est pas grave, on ne juge pas. Pour ta prochaine vidéo, test, alors, premier mot, première faute. Bon, c'est pas grave, on continue. Test le level pour de vrai STP. Alors, c'est pas que je pars. Mourir à chaque clic, ça va rien avancer du tout. Test le niveau, j'ai déjà testé. Je mourrais à chaque clic quasiment. Bon, sauf là où c'était free, tu pouvais tout buffer, j'ai pas compris. On continue le commentaire, pardon. Pour de vrai, s'il te plaît, tu dis beaucoup de conneries sur le gameplay. Ah oui. Le gameplay, il est nul. Quand tu parles des hitbox fixes dans la wave, ah oui. Ah bah, il y a des pics plates, mon copain, je te le dis, c'est même pas fixe. En fait, elles sont pas fixes, elles sont juste mal branlées. Quand tu parles des hitbox fixes dans la wave au début, réfléchis 3 secondes, STP. Je réfléchis. Enfin, ne t'inquiète pas, je réfléchis plus que toute ta famille. Hein, non. Quand même. Un peu de respect. Idem pour les orbes skippables, pour le coup, ça m'intéresse vraiment de savoir s'il y en a vraiment quelque part. Ah bah oui. Ah bah oui, j'ai testé. Il y en a au moins une. Alors, si j'ai dit des orbes, c'est peut-être qu'il y en a une ou deux. Du coup, pluriel. Voilà. D'ailleurs, les gens qui ont des runs sur le level le trouvent plutôt fun en réalité, et certains disent même que c'est le meilleur top 1. Non, faut pas tout mélanger. Il faut pas tout mélanger quand même, enfin. C'est toi qui dois réfléchir 3 secondes, enfin. Mais quand même. Non mais voilà, non, il faut se dire qu'un niveau il soit fun. Non mais j'en ai rien à faire. C'est très bien si tu le trouves fun le niveau. C'est très bien si Kenji Jira qui trouve le niveau très très fun. Mais il reste nul. Écoute, moi, je vais t'expliquer. J'ai fait un niveau, par exemple, qui s'appelle Silent Machine. C'est Time Machine version très buff. C'est pas le meilleur niveau du monde, hein, pas du tout. C'est toujours mieux que Tiger Wave. Mais c'est pas le meilleur niveau du monde. C'est pas très bien, d'ailleurs. Mais je le trouve très fun. J'adore ce niveau. J'adore y jouer. Mais c'est pas un bon niveau. Voilà. Donc, bon niveau et niveau fun, pas pareil. Attention, ne pas tout mélanger. Attends, là, je suis pas sûr que Griff, que t'as l'air d'idolâtrer, soit aussi fun. J'idolâtre Griff. Mais qu'est-ce qu'il... Il a regardé ma vidéo, moi. Mais enfin, me mente. Enfin, je suis le premier à dire que c'est de la merde. C'est juste joli, Griff, c'est tout.
C'est la première fois qu'on me l'a fait. Alors, oh, attention. La déco est pas belle, hein. Il n'y a pas débat là-dedans. Là-dessus, par contre, n'hésite pas à rester respectueux. C'est de la merde. Alors oui, j'ai peut-être pas été full respectueux, ça fait, oui, c'est entièrement d'accord. Mais en même temps, j'en ai rien à foutre, le mec, il a pas été respectueux avec son niveau. Il a fait de la merde, et il a chié dedans. Il a chié dedans, quand il est arrivé, il a fait comme ça, et hop, t'es de l'OM. Non, en vrai, non, j'exagère. Alors, j'ai cru entendre dire, je ne dis pas que c'est la vérité, d'après ce que je sais, apparemment, c'était l'une de ses premières décorations. C'est l'un de ses premiers niveaux. Et là, je me dis, mais mec, pourquoi tu fais un vrai niveau top 1, ou top 10 à la base, hein. Voilà, pourquoi tu fais un vrai niveau dès ta première décoration? Ça va forcément être pas ouf. Mec, entraîne-toi. Enfin, fais des niveaux différents. Enfin, entraîne-toi, fais des parts, je sais pas. Y a moyen. La déco, elle est pas belle, je suis d'accord. Je suis plus que d'accord, je suis très très d'accord. D'un côté, le level est pas beau, et ça serait cool que les autres gens comprennent que ça n'a pas été bien fait d'un autre. Tu apportes... Hein? Attends. Oula! Oh! D'un côté, le level est pas beau, et ça serait cool que les gens comprennent que ce qui n'a pas été bien fait d'un autre. Oui! Mais oui! Faut montrer ce qui n'est pas bien fait. Le truc, c'est que, bon, c'est pas si beau que ça, parce que le mariage des couleurs... Enfin, je t'en passe... J'étais par là. Tu apportes rien à la commu pour aider ça, là. Pour aider ça, là. Ah bah si, là, j'apporte que c'est de la merde. Je vais aller checker tes levels pour voir d'où tu viens. Donc, il y a un monde où mon com change en fonction MDR. Et bah, quand tu verras mes 4 solos, bah, c'est toujours Midtide Web, hein. C'est pas le meilleur niveau du monde, hein, je suis d'accord. Mais heureusement, d'ailleurs, parce que... Rode. J'aimerais bien savoir le nombre d'heures qui a passé sur Tidal Web, en vrai. En vrai, ça m'intéresserait vraiment. Je suis pas trop ses créations, mais Onilink a l'air de s'être pas mal amélioré récemment en termes de déco. Donc, à voir ce que ça donne. C'est vrai. Alors, c'est peut-être pas tout à fait ça, mais de ce que j'ai vu, il s'améliore. C'est bien. Mais bref, tout ça pour dire qu'un niveau fun est beaucoup plus important qu'un niveau beau. S'il est fait pour être dur, donc autant que c'est regardable, ça me dérange pas trop. Hein? Ah, oula, attends. Attends, là, il faut que je compute tout ça. Je vais réarranger les phrases en même temps que je les lis. Mais bref, tout ça pour dire qu'un niveau fun, c'est beaucoup plus important qu'un niveau beau. Même s'il est fait pour être dur, donc tant que c'est regardable, ça me dérange pas trop. Ah voilà, tant que c'est regardable, c'est... Ah voilà, regardable. Alors, Tidal Wave, oui, c'est regardable, je suis d'accord. Mais, c'est pas parce que c'est regardable que c'est bien. Voilà. Bon, bref. Moins ne fait pas partir du commentaire. Évidemment. C'est YouTube. Hein. Alors, il a pris le temps. Et là, je marque juste un petit « OK ». Mais quand même, faut bien dire qu'il a pris le temps d'écrire son commentaire. Moi, je pense que c'est un commentaire très intéressant. Alors, par contre, faut qu'il se renseigne un petit peu, Mpokora. À part s'enseigner. Voilà, griffe, joli idolâtre. Bon, alors je sais pas où t'as été chercher ça, mais... Est-ce que tu pourrais me citer la source de j'idolâtre griffe? Comment en es-tu arrivé à cette conclusion? Explique-moi. Voilà, j'idolâtre griffe. Je veux un texte de 40 pages argumenté avec des contre-arguments. S'il te plaît. Pour demain. Non mais voilà, intéressant. Zonk, voilà. Il sait pas buff, donc. Non, mais Zonk non plus, il sait pas buff. Désolé, mais faut qu'il arrête de jouer, lui aussi. Oh non, pardon. Pas qu'il arrête de jouer. Faut qu'il arrête de vérifier. Ou alors, faut qu'il vérifie, mais qu'il ait pas le droit de toucher au niveau. Parce que quand il touche au niveau, en général, ça part en couille. Donc voilà. En tout cas, ton commentaire. Intéressant. Ah, je pense que je vais le faire passer dans la prochaine vidéo. De Tidal Wave, bien sûr. Mais voilà, du coup, Mpokora, c'est pas à moi de réfléchir 3 secondes. C'est à toi. Bon, t'as l'air de réfléchir. Mais il y a des fois où tu réfléchis pas. Bah, comme moi aussi. Attends, mais attendez, 45. Le plus récent d'abord. C'est pas à moi qu'il faut dire ça. C'est à YouTube. Et c'est moi qui prends tout après. Non mais oh, c'est YouTube qui t'a commenté ma vidéo, mon petit, hein. C'est pas moi. Attention. Non, griffe, c'est dégueulasse, là, je suis pas d'accord. Ah bah si, enfin, niveau gameplay, c'est de la merde. La déco, elle est bien. Pas le gameplay. Elle fait jaser, la vidéo, dis donc. C'est beau, ça. J'adore. Deux réponses. Ok, je suis allé checker tes levels, je préfère faire un deuxième cam. Bah, t'es mal placé pour parler de copy-paste, ou en tout cas, même si c'est pas le cas, la plupart des levels, ah oui, décorés ont constamment des structures design identiques, donc on est là un MDR. Alors, tu peux pas dire ça pour Fire River déjà. Alors, je redémarre OBS pour vous dire rapidement. Le commentaire de me mente. Eh ben, j'avais pas lu en entier. Le second commentaire. Donc là, je vais le lire. Parce que j'avais juste lu le début. Voilà, j'avais juste lu
Ça, j'avais pas capté que la suite, elle y était, quoi. Je vais entreposer ce morceau de vidéo au milieu du reste, que j'ai déjà fait, que j'ai déjà tourné. Alors, lecture. On relit le commentaire en entier. Ok, yes, je suis allé checker tes levels. Je préfère faire un deuxième com. Pas de soucis. Bah, t'es mal placé pour parler de copy-paste, ou en tout cas, même si c'est pas le cas pour la plupart des T-Level. J'apprécie pour cette phrase. Des T-Level décorés ont constamment des structures design identiques, donc on est là, hein, MDR. J'ai mal vu. Faut aller chier Optique 2000. Pas sûr de ça à vérifier, honnêtement, j'ai la flemme, mais les quelques assets volés ont pas de fou leur place aussi. Si c'est pas des assets volés, au moins, niveau originalité, parfois, il y a des efforts à faire. Des assets volés. Des assets volés. Oula, je sais pas. Pour le coup, je préfère voir un level qui a de la personnalité comme Tidal Wave en mieux décoré SVP. Par contre, le level Mario est sympa, dommage que ça soit une copie d'un jeu. Mais tu es bête ou quoi? Tu es bête ou quoi? C'est le but de recréer le jeu, guignol! Il a pas compris. Non mais, c'est le but de refaire. C'est... Oui. On continue. Mais il y a le même problème que les autres, ça a l'air d'être du Kyuki Wannabe TGP donc. J'espère que tu fais playtest de fou parce que c'est un style de GP qui fonctionne pas si ça passe pas par énormément de joueurs. Alors, tu vois... Mais niveau, faut savoir que ils sont playtest, mais un truc de fou, mon copain. C'est-à-dire que si tu arrives à trouver des bugs, en fait, faut chercher. Mais faut bien chercher, tu vois. Faut vraiment chercher. Moi, mes gameplays, c'est pas du Tidal Wave, mon copain. Je te le dis tout de suite, moi, je les fais pas en 2 secondes, des gameplays, tu vois. J'ai su, entre-temps, qu'apparemment, Niling, qu'il avait mis, je sais pas, il avait mis plusieurs mois pour faire son gameplay. Mais je me pose des questions, comment il a mis autant de temps? Comment a-t-il fait pour mettre autant de temps? Moi, mes gameplays, bon, je l'ai fait quand même en moins de temps que lui, il l'a fait. Mais sauf que, moi, c'est bien fait, quoi. Bon, bref, c'est pas grave, on continue. En tout cas, c'est playtest. Beaucoup. Peut-être plus que la plupart des... Bref. Oui, je rajoute juste que ça va, tes levels sont cool. Et j'espère que les assets sont pas volés. Ah ben, t'inquiète pas, ils sont pas volés. Hein. Même si ça manque d'originalité, ça reste pas trop mal visuellement. Oh putain, ce pouce. Oh non, ce pouce. Attends, je me souviens. Attends, Windows. Point. Oh putain, ce pouce, je m'en souviens là. Ah là là, les gens qui spammaient le pouce. Oh, c'était trop bien. Je vais mettre un screen à l'écran. Hein. Fantastique. Donc, alors, qu'est-ce qui manque d'originalité? Kenji Girac me dit que ça manque d'originalité. J'entends. Mais quoi? Je ne sais pas. Voilà. Je demande quoi parce qu'on m'a pas dit. Je voudrais ça. Je voudrais une suite conclusion à tout cela. C'est quand même aberrant. Dommage, c'est une copie d'un jeu. Ah, la jeunesse de nos jours, c'est plus ce que c'était avant. On reprend la vidéo. Pierre River, c'est absolument impossible. Alors pourquoi? Chaque structure a été faite à la main. Ce qui explique le temps total passé dessus. Alors attends, c'est quoi? On va aller dans le jeu directement. On va pas s'emmerder, faire des explications à la volée comme ça. Alors attendez, je vais vous expliquer dans Midori. Alors attendez, regardez. Je vais pas vous mentir, la première part, oui, ça a l'air copy-paste, c'est normal. Tous les blocs sont carrés, du coup j'ai copy-paste, mais je suis repassé dessus après. Regardez, là, il y a une bande de glow, c'est sur un gros, hein. Ici, il y en a pas. Ici, il y a du glow, là, par exemple, celui-là, il en a pas. Pourtant, c'est les deux mêmes, hein, je les ai copy-paste. Hein. Quoique, dans celui-là, il est plus long que celui-là. Vous voyez, deux designs de pics différents, voilà, vous voyez. Bon, là, il y a que des petites pics partout, et c'est pour ça que j'ai fait deux designs de pics différents. Là, il y a pas de copy-paste, c'est pas possible. Regardez, même les deux mêmes, ils sont pas pareils, vous voyez. Ici c'est normal, c'est parce que c'est symétrique, donc il faut quand même que ça soit assez pareil de chaque côté. Bon, même si des fois, je vais pas vous mentir que, regardez, la symétrie, bon, j'ai tout fait à la main des fois, parce que regardez, là les lettres elles sont dans le même sens. Donc, voilà. Puis après voilà quoi, il y a cette partie là, tout est fait à la main, tu peux pas me dire que j'ai copy-paste. Il n'y a pas deux blocs design pareil, là il n'y en a pas deux pareils. Imaginons, on va voir Pierre River. Ça c'est une structure, d'accord? Ça c'est une structure. Ça c'est une structure, vous comprenez? Bon. J'ai fait des designs de briques différents. Alors, il faut savoir qu'il y a peut-être une quinzaine de designs de briques, dont des designs de briques avec, bon, ça se voit pas trop, mais du glow un peu clair sur le dessus. Il y a des variantes, quoi. Je les ai toutes placées à la main, les briques, tout au long du niveau. Il n'y a pas une structure qui est pareille d'un endroit à un autre. Celle-là est unique. Celle-là est unique. Celle-là est unique. Celle-là est unique. Après, oui, je copie pas ces pièces. Oui, bah merci. Après, je viens de me rendre compte que oui, je copie pas ces pièces, mais j'ai dû repasser sur chaque pièce pour modifier les triggers. Donc, au final, voilà. Lavabo, pour faire quoi, Tidal Wave?
beaucoup de waves. Hein. Cette structure est unique. Cette structure est unique. Enfin, vous avez compris. Hein, voilà. Alors, il y a du copy-paste, oui. Par exemple, les blocs là, les carrés là. Vous les voyez, les carrés là? Oui, ça peut arriver. Oui, je suis d'accord. Mais regardez. Là, par exemple. Là, oui. Cette structure là. Vous voyez, cette structure là. C'est pas la même que celle-là. Que celle-là, que celle-là, que celle-là. Déjà, il y a plus de structures que dans Tidal Wave là. En plus, là, il y a une part différente, avec des structures différentes. Encore. Idem. En plus, j'ai pas le temps de faire des effets, tout ça. Vous comprenez? Alors oui, du copy-paste. Mais c'est pas intensif. Petit design de pics différent en plus. Et je vais vous montrer un exemple. Pixie Box. Légèrement. C'est pas grave. Pourquoi? Si tu touches ça, t'es forcément mort avec ça. Ça, tu peux pas le toucher. Ça, tu peux pas le toucher. Ça, tu peux pas le toucher. Enfin, si tu le touches, de toute façon, tu touches ça dans tous les cas. Donc voilà. Pas grave. Silent. Je vais vous expliquer pourquoi. Surtout pour les Fixit Box. Alors déjà, pour tous les trucs là. Vous pourriez dire oui, c'est copy paste ou ces trucs là. Oui, c'est vrai. Mais je les ai tous placés à des endroits clés. Ça, c'est pas placé au hasard. Les fils sont tous à la main. Ils ne sont pas placés au hasard. Pareil pour ça. Tout au long du niveau. D'ailleurs, il y en a pas là. Il y en a là. Et ceux-là, ils sont placés. Ils sont pas placés au hasard. Ils sont pas placés au hasard. Maintenant, on va aller voir une chose. Les pics. Oh, c'est Fixit Box. Oh, c'est pas bien. Tu dis que t'as deux buffs, c'est Fixit Box. Mais là, c'est. Oh là là, c'est pas bien. Ici, c'est pas grave. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que c'est en 0.5. Là, j'arrive. Déjà, on a une indication. On a une indication comme quoi que les pics qui sont brillantes, elles sont Fixit Box. Et en plus, il y a deux designs de pics. Il y en a un qui est moins brillant. Vous voyez là. Il y a deux pics là. Et là, il y en a deux pics, mais en haut. Donc, vous avez déjà une indication. Et puis après, c'est lent. Donc t'as le temps de bien gérer ton jump et tout. C'est le but. Faut être précis. Alors que Tidal Wave en x4, je suis pas sûr que t'apprécies qu'il y ait des Fixit Box en pleine wave. En parlant de Fixit Box, vous voyez ces pics là. Bim. Pourquoi c'est pas grave? Parce que là c'est un jump en cube. Donc dans tous les cas, c'est comme le jump d'Akiron, hein, vous savez. Bon, voilà. Vous voyez ça? C'est un peu pareil. Mais en 0.5. Donc là dans tous les cas tu dois jump par dessus. Et là, je vais vous montrer, on est en wave 1. Et il y a des Fixit Box là, mais là c'est exactement comme Tidal Wave. Non. Parce que là, si tu meurs là en wave, t'es forcément mort sur la grande box là. Tidal Wave, tu vois, tu prends cette box là, tu les décales au-dessus. Là, c'est moins bien. Parce que là, ça te tue random. En plus, en x4. Alors que là, c'est en 0.5. Vous avez l'idée, quoi. Ah. Hop, on aime son commentaire, évidemment. On va lire la suite. Alors, juste, ferme ta gueule, gros, arrête YouTube. Alors, j'avais jamais vu celui-là. très drôle, là. Hein. J'avais répondu quoi? Ouais. Et ça ne veut pas, tu peux dire d'une autre façon, si tu laisses des commentaires comme ça, c'est toi qui devrais arrêter YouTube. Hop, ta gueule. Vrenos, oui, mais non, ça c'est Vrenos, voilà. Je suis totalement d'accord avec ta vidéo, le niveau avait de bonnes idées, mais elles sont très mal exécutées. Voilà, lui il a retenu. Il a retenu le principal. Mes recommandations YouTube sont pittoresques. Bah profite, c'est pas tous les jours des choses pittoresques. Pour tomber sur mes vidéos, oui, je me demande bien ce que YouTube fait. Ah bah, et tu m'étonnes. Ah. Alors, ah oui, alors, celle-là. Alors celle-là, je crois qu'elle était, elle était fantasmagorique. Ta vidéo vaut pas mieux que le niveau. Tu fais que balancer des C éclatés ou des ça pue la merde. Oui, c'est vrai. Ah, il a oublié de dire que j'avais dit qu'une part était pas mal. C'est vrai que j'ai beaucoup C de la merde de niveau. En même temps, si le niveau allait faire un effort, j'aurais moins dit. J'avoue que le niveau est très bof et loin d'être le niveau de niveau cookie. Ah bah oui, ça c'est sûr, il est très très loin. Mais c'est pas une raison pour insulter Onilink et Zunk à créer le niveau tout seul. Tout comme toi pour tes niveaux. Pourtant, tes niveaux, personne ne les connaît, Zunk te froisse dans tous les sens du terme. Alors ça, je l'avais pas compris. Toujours pas compris, d'ailleurs. On s'en fout que les niveaux soient populaires aussi, ça ne change rien. Voilà, tu mettes 10 heures dans ton niveau. Si au final, il est connu ou il est pas connu, t'auras mis 10 heures dans ton niveau. D'accord? Ok. Et Zunk me froisse. Alors ça, je l'avais pas compris. Alors oui, Zunk est plus fort que moi, mais sinon, j'ai pas compris. Donc, s'il parle pas de ça, je sais pas. En plus, si tu veux t'énerver sur un extrême démon, va sur Silent Club Step et la prochaine fois, au lieu de critiquer bêtement sans réfléchir, donne un avis, construit au lieu et réfléchis. Je vais t'expliquer, mon copain. Silent Club Step. Je ne vais pas aller m'énerver dessus. Pourquoi? C'est un très vieux niveau. Très très vieux niveau. Disons que les gars, c'était pas le même objectif que Tidal Wave, tu vois. Et Silent Club Step, tu vois, on peut pas lui reprocher d'être moche. Pourquoi? Parce qu'ils avaient pas autant de déco, il me semble, à cette époque-là. Donc forcément, ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Alors le gameplay nul, oui, le gameplay de Silent Club Step est nul à chier, oui. Mais en même temps, ça a été fait exprès pour être quasiment impossible. Ils allaient pas faire un truc bien pour un truc impossible. Finalement, ça a été possible. Voilà. Réfléchis, ouais, oui, voilà. Et même si pour toi, Onilink et Zunk n'ont rien d'extraordinaire, n'oublie pas que toi non plus. Ah, mais moi, j'ai rien d'extraordinaire. Hein. Mais la seule différence entre moi et Onilink, hein, comme je l'ai dit à Mpokora, voilà. Moi, je mets du temps dans mon niveau. Voilà. Je mets de la passion dans mon niveau. Dans mes niveaux. J'en ai plusieurs. Voilà. C'est la différence, c'est tout. Même si je n'étais pas content. Mais c'est putain, mais putain c'est un bon niveau et c'est un extrême démon, c'est normal que le gameplay est comme ça. Non, c'est non. Non, c'est pas parce qu'un niveau est un extrême démon que le gameplay doit être nul, hein. Non, je suis pas d'accord avec ça. Tais-toi. User,
QP4MR2WU6S, là, tu te calmes, hein. Non, 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 regarde. Les extrêmes démons, mon copain, il y a plein d'extrêmes démons qui sont incroyables, hein, regarde. Cookie, très très dur, trop trop bien. Tidal Wave, très très dur, trop trop nul. Où est le problème? Juste ce que je viens de dire là, mets en défaut ton commentaire. Tu auras sur les niveaux, sûrement, car tu prends le seum d'être incapable de faire 1% de la wave. Alors, je peux faire 1% de la wave, ça c'est pas le problème. J'ai plutôt le seum de connaître le niveau, ouais. Et moi, j'ai le seum d'être tombé sur ta vidéo. Tombé, oh là là, ER, oh là là. Pourquoi il l'a bien à l'infinitif? Oh là là, mais non. C'est E accent aigu. C'est pas moi qui faut dire ça, c'est YouTube. 3,52 et le reste de la vidéo. Pour être honnête, je suis pas d'accord. Tu vois? Il a été respectueux. Il a dit, pour être honnête, je ne suis pas d'accord. Il est pas comme l'autre Mpokora, là, qui a dit oui, ferme ta gueule, arrête YouTube. Tu vois? Le mec le plus bazette de France. Ah. Je ne savais pas que c'était possible d'avoir des arguments comme ça. Même moi qui aime pas le niveau, je trouve, il n'y a aucune forme de respect. Il n'y a aucune forme de respect pour la grammaire aussi. Non mais écoute Mpokora, pareil, c'est pas parce que c'est fun que c'est bien. Frérot, calme-toi. C'est vrai. C'est un argument en mousse. J'ai fait quoi pour mériter ça? Ah oui, c'est le jumpscare. J'ai fait quoi pour mériter ça? Rien. Enfin, c'est pas grave, hein.